Alors, Jean-Pierre Verhaeghen, vous avez déjà entendu parler ? Jean-Pierre Verhaeghen, sacré personnage politique, lui aussi une sacrée insurrection. Le livre qu'il a écrit, ça vous donne une petite idée de du fourmillement, effectivement, de son imagination et de son écriture poétique, et bien sûr de son insurrection, parce que alors, lui, son écriture même est vraiment le type même de l'insurrection dans le langagement poétique. Et alors, il n'est pas venu tout seul. Alors, peut-être qu'on va être rejoint. Il est quelle heure? Il est 6h15, c'est possible, d'ici 7h, s'il a réussi à se libérer, par Jacques Bonafé. Il nous a promis qu'il ferait tout pour venir au moins en fin de journée. Mais en tout cas, il nous a délégué quelqu'un en qui il a pleine confiance et qui s'appelle Léon Bonafé, son fils, qui a bien voulu, qui a accepté, qui lit aussi Jean-Pierre Verhaeghen. Alors, je ne sais pas ce que vous avez concocté tous les deux. Vous avez carte blanche, vous avez une demi-heure. Jean-Pierre Verhaeghen, Léon Bonafé, vous êtes où là? Vous venez? On y va. Allez, à vous de jouer. On a qu'un micro, ça ira quand même? Ouais, on peut. Il y a peut-être pas besoin de micro. On peut même le mettre de côté le micro, ouais. Pas besoin de micro. Moi, je vais poser mes trucs. Rangez-vous. Petit ménage. T'es là? Hop, ouais, je suis par là. Ouais. On y va. On va se mettre de dos, ouais, c'est ça. Ah oui, vous mettez de dos. Tu vas. Ah. Toi. C'est trop bien. Profession impénitent bavard. Champion du caquet sonore. Artiste de la dipa-dipa prolixe, Péronnel du clapot, diseur de diri normande, baveux volubile, plaisantin casse-nerf, hurleur virtuose, craque de l'enchaînement subtil, prêcheur dans le désert, damioche de la parlure, héros forain, discoureur à la galope, tribun de la drouille rimée, lanceur de vannes, racuspo, mêle-tout diplômé espotin, jargeau de la Creuse, bredouilleur wallon, canlette sur le pas de sa porte, envoyeur l'enlair, patoisant haut en couleur, tailleur de bavette hors normes, colporteur de jérémiades, politicard bourmou, débiteur de truisme, goguenardier trublion, mille goules, as de la tchatche, parleur gaga, cancanier madame, invité aux noces pour leur faconde, crieur sur tous les toits, phraseur doué en subjonctif onctueux, contrefacteur du trémolo bel doche, paplose du bamen, tapeur de bruit qui court, rabâche merde, jureur sur leur grand dieu, labettes à ressort, zézé qui zézé du nez, déconneur tartignol, marmonneur du gros des dents, blagasse bordelaise, infatigable bescu paplard, rembarreurs aussi secs, plaignot de gindrie, lèche-boujoute tout miel, marie-nounou, langue de vipère, cicerone pontifiant, complimenteur gros comme une maison, orateur boissonné, déparleur franc-picard, bouffe-mot tout cru, galégeur fanchirchoul, pousseur de hu, de ha et d'op-lala biscornu, causeur peau, prometteur de bébel, barboteur tic et tchac, babillard picaresque, distributeurs automatiques de sornettes, inconditionnels adeptes du blabla souverain, monologuiste, ravi de s'écouter, s'entendre, moulin à paroles doustreuses, concierges à radio-trottoir ou professionnels de la déclichette verbale, tout poète, impénitent bavard lui-même, et pour peu qu'il vous soit un rien reconnaissant, vous dira qu'il vous doit beaucoup, infiniment beaucoup, chers collègues. Avec sa tartine dans la goule, à la récré, mon ami Orlando me charadait, mon premier une cigarette au bec, mon second n'a pas de cigarette au bec.
Mon troisième, une cigarette au bec. Mon quatrième, pas de cigarette au bec. Mon cinquième, une cigarette au bec. Mon sixième, pas de cigarette au bec. Mon septième, une cigarette au bec. Mon huitième, n'a pas de cigarette au bec. Puis, pour me chambrer, il poursuivit en accélérant. Mon neuvième, une cigarette au bec. Mon dixième, n'a pas de cigarette au bec. Mon onzième, une cigarette au bec. Mon douzième, n'a pas de cigarette au bec. Mon treizième, une cigarette au bec. Mon quatorzième, n'a pas de cigarette au bec. Mon quinzième, une cigarette au bec. Et mon tout, pour terminer, c'est un cheval. Un cheval complètement éreinté qui vient de galoper sans s'arrêter. Et qui demande, essoufflé, mais Léon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Léon? Dis-moi! C'est ta clope, t'as pas ta clope, 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 etc. Alors, on commence toujours comme ça. Alors, on aime aussi beaucoup. Moi, je suis assez royaliste. Là, je viens d'un pays où il y a toujours une monarchie, etc. Et puis, je salue toujours quand je viens chez mes amis français, vous. Les grands rois de France. Et je rappelle qu'ils étaient, à commencer par les Louis. Louis 007. Et puis Louis 08. Ouais, Louis 08, l'Ardennais. Louis 09. L'Ariégeois. Oui. Louis 0/10. Le Cancre. Oui. Louis 13. Ouais, le Boucher du Rhône. Oui. Et Louis 14-18. Le Poilu. Louis XV. Le SAMU. Louis XXII. L'agent de quartier. Et Louis XXI. Ouais, Louis XXI, le tiré à quatre épingles. Louis XXIII. Le Toubib. Louis XXVI. Le tapé. Louis XXVII. Le fiévreux. Louis 40-45. Le prisonnier de guerre. Et puis Louis 43 fillettes. Le mal chaussé. Louis 55 ans. Le 50-50. Louis 51. Le pastis. Louis 75. Le parisien. 800 balles. Le poché. Louis 101. Le dalmatien. Louis 106. Le Peugeot. Ainsi que Louis 206. Louis 306. Louis 406, etc. Jusqu'à Louis 806, le voyageur. De la même famille des Peugeot qui, comme chacun sait, succédèrent aux Bourbons, aux Citroën et aux Valois. Un petit peu de traduction, parce que... Bah, mais la poésie, c'est aussi s'instruire, finalement. Oui, c'est ça, voilà, c'est ce qu'on essaie de vous dire. On va, si vous voulez voir un peu les pages roses, Ross, plutôt, du dictionnaire Labrousse, voilà, que chacun sait, et traduire, surtout, de, en traducteur Judas, on dit pas. Oui, c'est alors, ça. Alors, moi, je te donne le latin, et toi, tu te donnes la réponse. Ouais, c'est parti. Alors, oui, attention, prenez des notes. Alors, Niel, Lotus Vivendi. Sur la qualité de ce papier chiotte, on est parfaitement d'accord. Rerum Novarum. Je pisse beaucoup mieux avec mon nouveau rein. Alors, Concessus Omnium. Tu peux rouler comme un con et dans tous les sens avec une bonne assurance touriste. Errare humanum est. Ah oui, il est rare qu'il ne fasse pas humide en Belgique. Beati propere spiritu. Ah, les Beatles avaient de belles paupières et un beau cul. To be or not to be. Tombe la neige ou ne tombe-t-elle pas. Adam Led 3. Dixit. J'ai dit. Dixon. J'ai lessivé. Ah. Hic et nunc. Mon oncle est éthylique. Nascuntur poete, fiont oratores. Les nains pètent, les orateurs fiantent. Sic transit gloria mundi. Gloria Lasso chantait partout, en transe, dans le monde. Suave Marie Magnot. Elle avait un mari tout à fait suave en maillot sur la vaste mer, Lucrèce. Rede Césari, cuisson de Césaris. Même quand il était raide, César rendait la monnaie exacte. Eureka. J'ai fait, en collaboration avec Archimède, un gros caca grec. All right. Tout le monde est riche. Oui. Ipso facto. Chacun a son fax aujourd'hui. Manu Militari. Lisez le manuel des tarés. C'est un plat espagnol. C'est un plat espagnol. Exemple, paella. Et Self made man. Il est sorti de la merde tout seul. Couscous tandem. Ils mangent leur couscous tout en restant assis sur leur bicyclette. Tu es... Il est viré. T'es viré, mon pote. Tu es viré, mon pote. Alors, primum vivere deinde philosophari. Vivre comme un primate, philosopher comme une dinde. Tout propos est fili. Fili est passé chef coq. Vir bonus dicendi peritus. Dans chaque paquet de peritus, il y a 10 bonus plus.
Asinus, asinum fricat. Pas con le belge, il cachait son fric dans son sinus. Les commodos étaient un commodo. Les uns vont aux commodités, les autres chez les paras. Ex abrupto. Son ex est retourné dans les Abruzzes. Forever. Les écolos sont là. Aéré perennius. Aère le plus souvent possible ton périnée. Honoris causa. C'est la faute à la nourrice. My Taylor is rich. Elisabeth a du pognon. In secula seculorum. Dans moins d'un siècle, la sécu remboursera les enculages. Deo gratias. Et Dieu aussi se gratte. Nunc es bibendum. Mon oncle travaille chez Michelin. Nunc es bibendum. La bite de mon oncle est assez grosse. Et Inch'Allah. Mon chat est musulman. Ça permet d'éclaircir la situation. C'est beaucoup mieux maintenant. On voit plus clair en fait. Hein. On y va ? On y va alors. Alors, vas-y, gaffe. Ouais, ouais. Ah, il cherche, hein ? Oui. Ouais, on a du. Ouais, on fait quoi ? Chasseur de jeunes, tiens, chasseur de jeunes têtes. Oui, oui, le recrutement. Oui, oui, voilà, chasseur de jeunes têtes poétiques. Département ressources humaines et avenir de la versification. Hein, car on ne devient pas poète comme ça, tombé du ciel, le cul bordé de nouilles, à l'aise, blaise ou que sais-je, hein, les doigts dans le nez, sucé de son pouce, quoi. Non, alors sans vouloir en faire tout un plat, ni déclencher un conflit intergénérationnel, je me permets de rappeler aux plus jeunes d'entre nous que pour accéder à la profession, hein, c'est une profession, insistons, il faut au minimum, bien au-delà du minimum syndical, être en possession d'un master européen en alchimie verbale et avoir suivi une solide formation en génie lyrique et biotechnologie de la rime riche à haute valeur ajoutée. Un atout, un plus, serait d'être titulaire d'un diplôme complémentaire en gestion des césures et des élégies. Ainsi, une importante société poétique qui a pignon sur édition recherche-t-elle pour entrée immédiate un junior poète front-end web, développeur, en formation modulaire et flexible du sonnet. Elle offre un contrat à durée indéterminée, un package salarial attrayant et divers avantages éditoriaux. Les candidatures avec lettre de motivation sont à adresser à Pindar & Co, agence de notation poétique, rue du Parnasse, Cynocéphale, Grèce. Voilà. C'est un petit tintin quand même, un petit tintin, non ? Un petit tintin, oui. Ben, tais-toi en Amérique, Tintin. Hein? Tais-toi chez les soviets, Tintin. Tais-toi au Congo. Va fumer en cachette les cigares que t'as chouravés au pharaon. Fais pas chier le peuple avec ton lotus bleu, Tintin. Ne nous les casse pas avec ton oreille cassée. Baisse le son. Mets un bénol. Fais le mort sur ton île noire. Rends son sceptre à autocar premier. Grenouille-nous pas autour avec ton crabe aux pinces d'or. Cesse de parader ton étoile mystérieuse. Garde pour toi le secret de ta licorne. Silence! Chut! Ta boîte! Écrase! Ne nous fous pas des boutons avec tes 7 boules de cristal! Laisse pisser! Oublie! Ta gueule sur la lune! Fais-toi tout petit! Marche pas sur les pelouses! Boucle-la, Tintin! Arrête ton tintouin, Tintin! Tais-toi partout! Laisse parler Milou! Un petit. Charabia mode d'emploi. Charabia mode d'emploi. Donc, ouais. On fait un lifting ou bien quoi? Lifting, ah bah j'impacte, j'impacte avant le lifting. Oui, impact. Oui, mais c'est un impacteur. Que vous soyez salarié, appointé, employé, spécialiste en spécialité, cadre que les premiers nommés ne peuvent encadrer, harceleurs diplômés eux-mêmes in articulo des deux rotules et Salam Alek Prodeo devant leur chef hiérarchique en supériorité, il vous faut, le jour d'aujourd'hui, retenez la formule, impacté. C'est le mot d'ordre patronal, le signal fort généralisé. Ça vient de rentrer en magasin, c'est encore chaud, c'est à peine déballé qu'il vous faut vous emballer pour le nouvel arrivé. Et là, tout de suite, emballez qui vous pouvez pour le convaincre de ses qualités. Et hop, hop, lui refiler le produit au point que votre interlocuteur en reste stupéfait, sans moufter. Shootez, le gars. Vous avez marqué, mon cher. Vous vous êtes cassé le cul, ou le QI, c'est selon votre profession, pour toucher juste, ébranler mouche et ahurir en plein dans le mille. Vous êtes dans le bon casting. Vous avez compris qu'impacter, c'est non seulement pour toucher les émoluments de sa seigneurie PDG, dont sa seigneurie PDG vous gratifie, trop grassement à son gré, mais surtout pour frapper les esprits, comme un projectile, au cœur même de la cible marchande, directo, foin donc des énoncés nébuleux et des explications superfétatoires et absconses, pan, pan ! L'impact doit être impec et visible. On sent l'autre, ébranlé et gagné par la fièvre acheteuse. Pas besoin d'un expert en balistique commerciale pour le confirmer,
Vous savez de quoi vous parlez. Vous avez vous-même commencé par marcher en vous mettant au diapason. Merci, patron. Vous vous êtes auto-impacté, quoi. Puis vous avez fait pareil avec les lambda à votre disposition. Merci, Léon et autres moutons qui marchaient le doigt sur la couture de la toison. Pour, in fine, conclure vous-même le marché à votre plus grande satisfaction. Merci, chiquier. Mais qui donc a bien pu inventer cette attrape-couillon qui déboule dans notre langage comme un coup de canon? Un militaire à la retraite en mal de commandement d'escadrille ou d'escadron? Une de ces élites ultra-contemporaines que sont nos coachs de vie, nos argumentologues du sociétal, nos sculpteurs d'idées, nos positiveurs en technique de groupe, nos optimiseurs gourous du mental training, nos architectes en concept, nos publicistes, point barre chichi? Qu'il dira? Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre de ceux-là, qu'il ait fait ou non un pacte avec le diable, a touché l'impactole et peut crier « Bingo !» Ça fonctionne. Et ça rapporte gros. Faites attention, s'il vous plaît, un petit instant. Si je place sous une cloche, à Rome, évidemment, ou dans quelques vieux garde-manger du Vatican, Pie 1, Pie 2, Pie 3, et autres papes de la même famille, Florent Bon, la même bonne odeur de sainteté, mais si distrait. Je les y oublie, autant de mois qu'ils m'ont régné d'années. Qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Eh bien, des camemberts méchamment avancés, pas vrai? Et que je peux franchement appeler Pu 1, Pu 2, Pu 3, jusqu'à Pu 12, le plus collabo des calendos, et qui se met à cogner du pied comme tout un dortoir de récollet de Gérard. On y va, de toute façon. De toute façon, si je répète la même opération avec quelques-uns des saints fromages français les plus renommés, et si redistrait, je vieillis, il faut me pardonner, si par inadvertance, disais-je, je les laisse prendre la même avance que les premiers susnommés, eh bien qu'est-ce que j'ai? Schling Benoît, n'est-ce pas? Et Schling Nectaire, et Schling Marcelin, et Schling Florentin, et Schling Paulin, et Schling Agathon, et Schling Albrecht. Bref, excellent, non? Il y a bon puer, pas vrai? Alors, on a pris le métro Boudou. À la chapelle. À la chapelle. Eh bien, si à la chapelle ou bien ici, c'est quoi, Pigalle? Blanche. Si à la chapelle ou à Blanche, ou dans toute autre station de métro, un technicien de surface, occupé à techniquer avec sa machine de surface, ne voit pas venir droit devant lui un non-voyant, un moins valide, un malentendant, un allochtone, une poule élevée au sol, un étudiant à discrimination positive, ou une personne à mobilité réduite, ou une autre à sobriété différée, eh bien, il leur rentre dedans et leur pète la gueule. Oui. Agité du baluchon, intégriste de la bourlingue sac à dos, randonneurs à bout de souffle, pèlerins du moindre bled paumé, arpenteurs par mont et cheminots par veau, tribuns de la bougeotte dominicale, fondamentalistes du marche ou crève, enragés de la course en tête, purs et durs de la godasse tout terrain, jansénistes du footing aussitôt levé, allez, courez et volez, et que grand bien vous fasse. Mais laissez-moi sur place, ici, englandi, dans l'oisivie et inertie, aux îles Moumou, en grande flémarde, sur la douce, dans mon lanternois, assisteront sur ralenti, ici, aux confins de la basse Clampine et de la haute Cosse, au bord du lac Flagada, dans ma bienheureuse Flacidie natale. Tout de même de personnel, de proverbes, c'est important. Par exemple, quand on veut noyer son chien, ben, quand on veut noyer son chien, oui, mais oh, madame, quand on veut noyer son chien, un sac, des pierres, des non, briques. On est mordu, c'est un proverbe qui bulle. Alors, un proverbe cruche, tant va son cul à l'eau qu'à la fin, il a cassé tout son cul. Après la pluie, je l'ai là. Après la pluie, une autre pluie. C'est un proverbe trempé jusqu'aux os. L'argent n'a pas dodo. Il bosse jour et nuit. Proverbe magot planqué dans le matelas. Il vaut mieux aller au boulanger pour une part de tatin
comme médecin pour la poitrine de Tantine qui tousse par ses deux tétins. C'est un proverbe anti-tuberculeux. Quand on parle du loup, on voit son soutien-gorge. Loudou, proverbe de la même région. Il n'y a pas loin de la croupe aux grandes lèvres. Proverbe observateur bien placé. Loin des yeux, près du bigleux. Proverbe oculiste. Les mires ont des oreilles. Proverbe arabe. Un tien vaut moins que deux tiens. Proverbe mathématique logique. C'est au pied du mur du son qu'on voit l'avion. Proverbe aéronautique. Tel père, telle flèche. Proverbe suisse alémanique. À ne pas confondre avec cocktail père, cocktail fils. Ce n'est pas parce que le père trinque que le fils boit. De même, la mère peut très bien être une demi-mondaine volage sans que la fille soit pour autant une pute de première. On ne dira donc pas davantage « dans telle mère, gère telle fille ». Un peu de cuisine, on fait un peu de cuisine. Ah, alors, oui. On cuisine à quoi? À la barigoule. Ça. Ah oui. Ouais, ou à la bigarade. Ou à la crapaudine. Oui, ou à la farce douce. À la moutarde. À la garbure. À la gaillouparde. À la liégeoise. À la façon du lac. À la nage, surtout. À la meunière. À la ravigote, à la marinière. À la minute, à la morvandelle, à la garotte. À la boulangère, à la béchamel, à la botte de camp. À la daube. Oui, à la carignan. À la castiglione. Voilà, à la casserole, à la neva, à la moelle. À la nantua. Ou à la masséna. Quel que soit le mode d'après, à la peau de gorée, à la diable et même à la cardinale, tous vos amis, musulmans ou non, vous le confirmeront. Allah est bon, Allah est grand, Allah est excellent. Alors, on y va. Ouais. On y va. Ouais. En Wallonie, Michon, le grand combattant. Ah ouais. Il m'apisse, me martoque, me copisse. Époque, époque, me cafouigne sans ratna. T'as compris, fouille merde, qu'il me dit comme ça. Il me rattire à lui, m'agrappe, me cossache, me marbougne, me maxoude le grognon et randache, les mousons, m'afflache. Puis rouf, rouf, à la roufade, me jette comme un vieux sac, bardaf, dans les buissons. Je lui demande pourtant simplement de rester belge. Il m'envoie à l'oseille. Ma pougne et racapougne, marniche et nichette, me scrète mes côtes à l'oreillette. Je lui propose seulement d'au moins garder l'Y à son petit nom, comme lorsqu'il était Henri Michaud, gamin wallon, ne serait-ce que pour faire moins allégeance aux rattachistes et autres opportunistes franquillons de nos régions. Non, c'est non et non pour de bon. Il me copzasse, tape et cotape, me gougne, épigne, épignette, me bourre la binette en me la tartant bien à fond. Non, rien de rien. C'est merde aux artistes végétariens ou wallons, un jour oui, un jour non, comme disait déjà en son temps le grand Magriton. Ben, écoute, Joël, tout à l'heure, nous a fait une extraordinaire lecture de ce qu'il faut redouter le plus, c'est l'insurrection contre la mort. Et je trouve que on moinsit. On fait de moins en moins. C'est qu'on va vers la fin. On moisit aussi, on sent. On nous l'a assez dit. Quelques-uns de nos soi-disant amis ont même été surpris en train de se pincer le tarin. Après nous avoir fait ce qu'ils nomment un câlin. On ne fait quasi plus rien, sinon guetter par la fenêtre ce que fait le voisin. On téloche les radios du soir au matin. On perd souvent la tête, même si, comme dit Skutner, personne ne nous la rapporte. On radote, on décroche, on flotte, on vasouille, on radate. On perd ses dates, on perd ses propres traces et ses repères émères. Ne voit-il pas que tout à craque, on appelle maman, sa femme, sa compagne ou la dame qui le garde, fait notre toilette ou nous met au lit. Madame Frotte-Pipi. On ne se déplace plus qu'à pas de souris, on a perdu l'appétit, on dit, ou plutôt on dilette, de deux ou trois lichettes dont on ne sait trop quoi. On soupe à la grimace, on tire en la gueule à son assiette. Pour le reste, on lit la presse et les journaux qui ont une page nécro. Ah, il ou elle vivait encore celui ou celle-là, s'exclame-t-on comme si c'était une honte d'être toujours de ce monde. On s'étonne de la façon dont leurs proches ont rédigé l'annonce de leur disparition. L'un, un franc-maçon, fidèle à ses convictions, exhibant ses titres et décorations. L'autre, rappelé à Dieu, qui procède à son ascension. Mais que sera-ce quand nous-mêmes nous décéderons? Bonne question. Nos enfants aligneront-ils sous nos noms et adresses la liste des diplômes et breloques honorifiques que nous avons reçus quand nous vivions écuyers de la petite cuillère d'argent? Titre décerné par la Fondation Jean-Bernard Puy. Cafte, moi aussi. Grand cordon ombilical du meilleur assistant moral de son épouse parturiente à l'hôpital d'Autigny, Brabant-Wallon. Mérite agricole de la betterave joyeuse.
boutonnière inox du gilet de sauvetage avec tuba incorporé. Rosette académique de Lyon, centre-ville et bouchons place Delcourt. Ruban de faveur des privautés intimes attribuées par la section locale des femmes imprévoyantes socialistes. Chevalier de l'ordre du dadaïsme international, les cavaliers de la Seine du bidet monté de l'écurie Marcel Duchamp de course. Récompense diocésaine du parfait petit paroissien, fidèle et pédo-abstinent. Avoir plexi des sociétés Carglass et Sécurie, avec gravillon errant de, en bronze massif. Commandeur de la confrérie brassicole à tournée générale. Ah, ça embouchera un point à plus d'un, ça. Mais pauvres enfants, ça leur coûtera bonbon. Qu'ils aillent plutôt manger des moules chez Léon, après ma crémation. Bon alors Jean-Pierre, on va faire une petite pause, on revient après. C'était le tome 1, apparemment. Ah, ouais. C'était le tome 1. Voilà, c'était une première partie, puis on va laisser la place un peu, on revient après. Bah excellent, comme le tome de salut.